Jodi a nou gen avè nou un gro monsieur, un gro chanteur antye. M vle pale de Jean-Luc Gouanel. Et nou pral kann an pil bagay, m sou ke gen pil moun k ap tande vwa sa toutan. Men se sa nou fè lan de Ralph Conde Show, gen pil moun nou tande vwa yo men nou pa konn vizaj yo. Se sou ke gen pil moun ki deja kann Jean-Luc deja, men n'ap di Jean-Luc merci deja ke li aksepte invitation nou pou pase lan de Ralph Conde Show. Jean-Luc, bienvenue là de Ralph Conde Show. Comment y est? Est-ce que tout va en forme? Ben, Ralph, merci beaucoup. Déjà, bonjour. Bonjour tout le monde. Puis, merci un peu pour l'invitation. On peut dire qu'il peut rater ça du tout. On peut dire qu'il peut rater le fait que, qu'on invite moins que, voilà, pour nous parler, pour nous discuter, puisque ça fait quand même un peu de temps que nous pas ouais, que nous pas parler et tout ça. Donc, ça quand même un plaisir. Voilà. Bon, alors nous dit quoi tout le monde qui a fait musique puisque bon pas ni musique qu'a voulu sur la terre encore en l'eau quoi. Ouais. Donc on était qu'a voulu avant. Donc ça va nous mais bon nous quand tu veux la position, nous quand tu veux quand même parce que bon l'essentiel c'est d'y être vivant déjà dans un premier temps. Voilà. C'est ça. Ouais. En forme. Qui côté Jean-Luc sorti et fait en Martinique? Alors, Jean-Luc, Fort de France, donc capitale Martinique. C'est là où on est. Dans l'hôpital, il y aurait la maternité de Redoute qui n'a pas existé encore. Mais, papa moins, et puis maman moins, c'est mon Saint-Joseph, petite ville qui est au centre de la Martinique. Et c'est mon Saint-Joseph. Donc, moi, Joséphin, et puis il faut y aller en même temps, puisque bon, moi, né en ville, mais moi, vive. Aussi la campagne Tibouin, donc moi j'y vais en ville et puis grand moment moins, mais moi vive la campagne aussi Tibouin, donc moi fait y a une de la campagne que en pile mon l'âge moins pas connaître parce que yo fait en ville et puis que yo il y va en ville que yo passé la moitié de la vie en ville quoi, tu vois, mais moi né Martinique en Fort-de-France capitale, voilà. C'est ça. Mais est-ce que Jean-Luc gagne, est-ce que l'enfant mieux ou est-ce que t'es un musicien, l'enfant mieux? Alors oui. Alors l'enfant mieux éloigné, oui, puisque bon, t'es ni Jean Gouanel, qui était en clavier, un musicien qui était cap joué piano, qui était joué dans différents groupes Martinique, Bluebirds, enfin des trucs comme ça, et qui par la suite, en fait, l'a arrêté de jouer musique. Non, même pas. Un peu avant ça. Monter en magasin instrument musique, c'était avant instrument musique à un moment. Donc, t'es ni aussi Lucie Gouanel, qui était en chanteuse, qui était fait en lot chanson traditionnelle, en fait, puisque plutôt dans la chanson traditionnelle. Donc, ouais. Il était fait en lot chanson traditionnelle. Mais par contre, Adam Fomi, directement, Fomi proche, c'est plutôt monde qui remet musique qui était ni, quoi, monde qui remet écouter musique, remet écouter. M'écouter compas, m'écouter à l'époque c'était cadence qui teignait, donc m'écouter cadence et puis compas. Donc si tu veux, moi t'es moins bercé par ça, quoi, par le fait que tu es toujours les musiques allant tout moins, quoi. Voilà, c'est ça. Mais à quel âge vous commencez à chanter vraiment? Alors, moi avant de commencer à chanter, moi t'es quand je joue batterie, parce que ça m'a appris à faire au départ. Moi t'es quand je joue batterie. Méthode d'Agostini, donc on te calie batterie, on te calie batterie. Et puis ça fait que nous montons un groupe, et puis Gilles Voyer, Jannick Voyer, Philippe Joseph, que y en a qu'on connaît, Philippe Joseph, c'est le deuxième clavier Kassav, et puis Jean-Claude Nemo a présent depuis quelques années. Et nous avons créé le groupe La Fosse Nantée. Et un jour, on a composé un morceau, et chanté à qui était là, à part Jannick Voyer, et puis Maud Mas qui était qu'à chanter aussi. Parce qu'il arrivait à chanter mon soir. Alors, moi, je dis, mais Jean-Luc, vous pouvez chanter mon soir. Quand il dit, mais moi, je ne peux pas chanter, je ne peux pas chanter, tout ça. Il dit, mais bon, je vais vous montrer. Parce que, moi, je dis, mais bon, je vais trouver que l'on a parlé, on a dit, vous intéressant, donc vous pouvez chanter aussi. Je dis, bon, peut-être. Et effectivement, moi, je montre comment je chanter mon soir. Et après, au fur et à mesure du temps que tu as passé, le groupe là, tu as roulé. Moi, je me suis commencé à chanter d'autres morceaux. Donc, ce qui fait que je me suis joué musique dans le concert, je me suis joué batterie, je me suis chanté, je me suis joué batterie en même temps. Je me suis batteur-chanteur à l'époque.
Et puis, première fois, moi, en tout cas, dans le studio, puis Philippe Joseph qui venait, moi, fait que, on trouvait ça très belle. On trouvait ça très belle. On dit, ah, OK. on va partir thérapie tôt, quoi. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à chanter. On a été dit, quoi, 18 ans, 18 ans, 19 ans. Mais on était quand je batterie bien avant ça, depuis l'âge 14-15 ans, quoi. 14-15 ans. OK. Ouais, Jean-Luc, Jean nous t'a parlé, nous t'a dit que l'enfance au grandi et attend de plusieurs types de musique. Mais nous t'a parlé de spécialement est-ce que il y a un groupe, ou du moins des groupes haïtiens à l'époque qui étaient marqués dans le jeu des sous. Oui, on a l'habitude d'écouter des groupes comme Astros, des groupes comme. Alors, moi, ce cachat, mais Astros, Relax Man, Tam Koumbou a fait mon succès à l'époque, ça, aussi Martinique. Donc, et puis, en matière de groupes antillais, tenir des groupes cadence, La Perfecta, des groupes en Viking. Viking Martinique, de groupes pour la Guadeloupe, tenir les Aiglons, tenir les ambassadeurs aussi, comme on tient. Qui n'a la Ambassadeur. ganache? Ah, eh, oh. Ah ouais. Ouais. Avec un petit plume. Avec qui plume? Je suis petit plume. Ouais. Ouais. Exactement. C'est ça. Et qui artiste et chanteur préféré Jean-Luc Coanel? Alors, moi, mais tellement bagaille, tellement bagaille qu'en fait que, bon, on ne peut pas dire si j'ai préféré vraiment. Alors, mon terrain, mon pile, il n'a pas d'oubli. Enfin, mon terrain, mon pile, il est présent toujours, même s'il n'a pas chanté encore. Mais il n'a pas d'oubli en musique haïtienne. Chantait les frères des gens. Ah, les frères des gens aussi, m'a oublié le Taléo, oublié au Taléa. Tiré, en pile, il n'a d'oubli. Voix, Raymond Cajuste aussi, ce qui a fait moins vibrer, parce que monsieur Gué, on voit clair, Gué, on voit limpide, quoi. Et ça, c'est. Moi, j'ai bien aimé, bien aimé. Et puis, comme chanteur aux Antilles, bien évidemment, bon, écoute, incontournablement. T'es gain Patrick Saint-Éloi, t'es gain Jean-Philippe Martelly, mon vieil ami, t'es gain au niveau Martinique Rastamor, on chantait de belles factures, et puis t'es gain également, en matière de femmes, on dirait Edith Lefel, Ouais. Lefel, Ah ouais. Jocelyne Dewandini un style particulier, mais je mais quand même pas mal de chansons, pas mal de titres l'été chantés en fait. C'est ça. Mais avec qui groupe en Martinique vous pouvez faire première expérience? Alors, groupe, première expérience studio, c'était, et puis Fête Désir. J'ai chanté une chanson pour la fête des grands-mères, et puis Clotilde Fleuriag, ça c'était première expérience Chanlid, hein, première expérience Chanlid studio. Première expérience groupe Martinique, groupe que vous connaissez, c'était première version Taxi Créole, pardon. Première version Taxi Créole que nous avons monté. Et puis Philippe Joseph, Franck Donatien, Ronald Tulle, José Zébida, Alain Gracius, Suzy Tribo, Enfant Murillé, Kiki Gangenoua, t'as fait que Epitali. Pendant un bon moment. Et puis, t'es gain également un autre chanteur, il y aurait les Jean-Luc Bougainville aussi. C'était un groupe qui tenait quatre chanteurs, devant deux femmes, deux hommes. Et puis, maintenant, c'était première expérience, véritablement, première expérience groupe, gros groupe, mis à part premier groupe là, nous t'es monté, quoi. Mais gros groupe qui fait CD, qui fait. Manifestations, la télé, des choses comme ça, quoi. Parce qu'en fait, premier gros apparition, nous, c'était 10e anniversaire de Kassav. Nous t'ai fait apparaître à Centre des Arts, Guadeloupe. J'étais fait en gros, bah,
Et on avait fait une prestation là, j'ai fait une prestation. Okay. Mais maintenant, Jean-Luc, parlez-nous de histoire, quoi, et comment groupe ça va le former. Alors, quoi que c'est un bagage assez particulier parce que nous jouons et puis nous n'étions qu'à jouer, puis un groupe piano bar, et puis Philippe Joseph, et puis toujours Philippe Joseph. Philippe. Alors, il faut que ça fasse Philippe Joseph, c'est un ami, un réel ami, et puis lequel m'a fait. Pas mal de choses, quoi, en fait. Pas mal de bagailles. Et nous tenions un groupe, le groupe du monde. Okay? C'était un quartet, quoi. Basse, batterie, chant, et puis guitare. Et puis, batéa, donc Tony Lovinsky, proposez-nous monter un groupe. Nous dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas nous monter un groupe musique? Et puis nous choisissons, c'est mon oncle qui fait partie du groupe là, en fait. Mon crié Suzy. Au départ, c'était Suzy seulement qui était dans le groupe là, comme femme. Et puis, là, nous monter groupe là, nous commençons à faire des prestations. Alors, donc, nous crié au départ. Nous crier percussionniste sur les Charlie Labeski qui jouait Picali pendant longtemps. Nous crier également alors José Mario Rose, bien évidemment. À la batterie, c'était Tony Dovinsky. Clavier, Philippe Joseph. Et puis à la guitare, c'était Christian Louisé qui était. Okay, donc, et Suzy Trébeau comme chanteuse. Et à un moment, Suzy était pour partie. Et puis Malavoie, parce qu'à l'époque, il était qu'à jouer toujours, et puis Malavoie. Et nous dit, bon, pour remplacer Suzy, nous prenons Léa, pour que remplacer Saison, Suzy a Saison Et à pendant laquelle Galva. Suzy a parti. Léa Galva, ouais. OK. Et puis là, Suzy virée, bon, alors expérience là, puis Léa, il fait deux, quatre, peut-être deux, trois prestations. Expérience là, puis Léa, t'es quand même assez concluant, quoi, tu vois. Et puis là, Suzy virée, nous dit, bon, finalement, nous pouvons garder les deux, quoi. Donc, regardez les deux filles. Donc, vous regardez les deux filles. Et puis, c'est là que tout le bagage est parti, quoi. Tout le bagage est fait parce que nous décidons, ben, nous avons un plan en l'autre dimension, quoi. Et nous commençons à faire prestations dans le lieu où crie le monde. Nous crie le monde, ça n'existe pas encore. Et nous faisons promotion nous-mêmes. Nous avons fait flyer nous-mêmes. Nous avons fait promotion radio nous-mêmes parce qu'en fait, nous te connaissons petit moyen en long monde, parce que chacun de nous t'a dans le circuit à depuis un moment. Nous avons fait promotion nous-mêmes. Et ce qui fait que le groupe a attrapé bon succès avant qu'il ait mis pièce d'X, quoi, tu vois. Pièce d'X qui fait que le groupe a attrapé bon succès. Et puis, il a décidé d'y proposer Jean-Michel Mouillet, le défunt, qu'on a mis poser en paix. Décidé de nous proposer un groupe là en prestation pour nous payer ça, dit bon voilà, on va faire un album. Et ça qui fait, nous fait prestation dans la commune de Rivière Salée, Martinique, et nous invité Jean-Michel Mouillelot, pour écouter groupe là jouer. À l'époque, nous avons fait une reprise, nous n'avons pas tenu un seul morceau. Un seul morceau, c'est un morceau qui a été composé peut-être 3 ans auparavant pour cette. L'assassin qui a fait une manifestation ici, il a créé les prix SACEM. Okay? Et je m'étais composé mon soir pour m'étais passé en prestation. Christian Boutan, ancien directeur régional de la SACEM, c'est moi qui m'ai composé un morceau pour nous faire en prestation. Parce que c'était le premier prix SACEM. Et c'était Serré-moi. Serré-moi fort. Ah. Ça, je m'étais composé ça 3 ans auparavant, avant même que tout a été. TOP. Et puis, là, nous finissons prestation Rivière Salée, donc prestation podium, la fête commune. Hein. Nous descendons l'escalier, en bas l'escalier. Nous descendons l'escalier, Jean-Michel Morillo dit nous, bon, écoutez, j'ai le stylo, j'ai le contrat,
on signe quand? Voilà. Oh. Et c'est comme ça, quoi, en fait. Et c'est comme ça, nous partis en France pour nous enregistrer. Parce que Jean-Michel Moyeux, le studio a été né en Patika, correspond à ça, nous téléphère hein, vraiment, tu vois. Donc, et c'est comme ça, nous partis enregistrer en France. Nous partis enregistrer. Combien de studios t'as? Je me retrouver après. Et puis, le frère. Donc, en bien, bref, comme ça qu'il est viré. Et puis, bon, enregistré pour les quoi. Alors, c'est pas sans peine parce que nous tenions quelques difficultés au niveau, à quelques niveaux de prise de son, au niveau. Et puis, vous savez, à un moment, quand on est en groupe, ben, là, pas toujours bien rodé. Faut qu'on fait, faut qu'on compose. Et puis, c'est mon qui a dans le groupe là parce que bon. Chaque lapin a le même tempérament, chaque lapin a dit, tu vois. Donc c'est. Mais, avec la grâce de Dieu, nous arrivons jusqu'à longtemps. Et l'album, premier album à la Kwakos, sorti. Et premier succès d'ailleurs, ça a été Sérémoine, c'était Sérémoine parce que c'était mon soir, c'est mon autre déjà connaître, les jouer au monde à l'époque, quoi, tu vois. Parce que nous n'étions qu'à jouer, mon soutien. Avant, il était enregistré, quoi. Donc voilà comme ça, quoi que fait, et quoi que durer 3 ans, 3 ans Non, on nous fait 3 albums, 3 albums complets, et puis en best-of, voilà. C'est ça, c'est ça. Mais et comment on peut définir et on peut dire style quoi que là même, style que musique que quoi que t'as joué. Alors, on va dire c'est que c'est Zouk. Ok, mis à part les compas que nous faisons, en comparaison, comme Manjo, mais qu'on met les compas, par exemple, mais on va dire c'est que c'est Zouk, en fait. Mais à l'époque, c'était un Zouk, une espèce de Zouk nouvelle vague, parce que pour ni l'idée remplacer ces cuivres-là et puis par la voix. Je t'ai en vogue, en tech six, tu vois, quand c'est musique, t'as écouté ça en pile. Et à l'époque, comme cuivre, dans la majorité des groupes, vous teniez section cuivre, quoi. Et nous pas télé, alourdi groupe là, nous téléphonons en groupe qui n'ont un nombre assez limité de gens, mais qui cap permettre quand même de faire une musique intéressante, qui a swingé, qui nie les ingrédients qu'il faut pour qu'ils fonctionnent, quoi, tu vois. Donc, les nous imaginer ça, bon, tout le monde était content, tout le monde en sautant en l'air. Alors, une petite précision quand même, c'est que c'est onomatopée, enfin, ces mélodies à nous qu'on fait à la voix, pour ces cuivres-là, c'est des mélodies qui écrit pour des cuivres. Hein. Alors, Philippe Joseph, qui était arrangé à l'époque, directeur musical, quoi. C'est lui qui a mis l'idée là, il dit, bon, nous pouvons harmoniser ça contre des chœurs, parce que ça crée son chœur, nous pouvons harmoniser pour des cuivres. Ils ont chanté pour des cuivres. Et c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, leur partition, nous pouvons relever partition, ces chœurs-là, en fait, ces cuivres-là, nous faire la voix, nous pouvons avoir un type qui signé, c'est ça qu'il fait d'ailleurs, le fait Best of Love. C'est exactement la même partition. Je pense que ça, c'est ton bail qui était vraiment très original. Et dans le sens, ça, il était vraiment ori. Je pense qu'à l'époque, c'était seul quoi qui n'était pas ta style, ça, vraiment. Et il était tellement bien fait. Et voyait tellement bien fait que moi, j'ai. Son bail extraordinaire. Et, Oui, c'est mais, ça. quoi qu'on musique, justement, créer les comparaisons. Et c'est un gros tube musique, ça. Est. Oui. Qui est-ce qui composait musique, ça? Alors, composition, à la composition, t'es mis Christian Louisé et Philippe Joseph. Bon, petit bras dedans, mais nous, je signe mon soir AD et à l'écriture, c'était moi. Ok, c'est ça. Voilà. Mais Jean-Luc, qui peut belle expérience vous faire avec quoi? T'as tellement d'expérience que. Pas ça, si t'es Guillaume qui pis belle. Bon, c'est vrai que. Alors, moi, ça que expérience, au niveau émotionnel, comment t'es Guillaume. Et puis quoi? C'est un jour où t'es. Alors, première année, il y a quoi que fait succès.
Nous faisons tout un extraordinaire, Paris, nous faisons Paris, New York, SOBIS, et puis le comité martiniquais du tourisme et compagnie, nous faisons la France, nous faisons Guadeloupe, Guyane. Et nous avons viré de tournée, et dernière date, nous, c'était une date presque la rentrée faite, fin août, début septembre, dans la commune où il y a Macouba, Martinique. OK. Et regardez, nous faisons concert là, 2 heures de concert, mais nous étions fatigués, quoi, en fait. Et arrivé à la fin du concert là, pour chanter Cérémonie, parce que Cérémonie qui était tube à moment ça, je me suis dit, je n'ai pas ni voix encore. Je n'ai plus, je n'ai pas ni voix. Je n'ai pas ni voix. Je me suis dit, waouh, c'est le tube, est-ce qu'on ne peut pas piser que. Je me suis dit, je n'ai pas ni voix. On ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'on trouve un moyen pour nous chanter mon soir, quoi, parce que nous Ouais. ne pouvons pas arrêter là et ne pas chanter mon soir. Et mon soir est parti. Et moi, dis bon, allez, advienne que pourra. Et moi, m'a pas venu pour nous goûter, première fois. Première phrase là. M'a pas venu pour nous goûter. Et moi, tant de micro vers le public. Si vous voulez chanter tout mon soir sans que vous n'ayez chanté pas une seule phrase là-dedans. Wow. Pas une seule phrase là-dedans. C'était pour vous, comment dire, ben là, ça prend un point en ampleur, quoi, en fait. Ouais. Ça a été tellement fort, ça décollé. Je sentais que c'est mon porté moins, quoi. Il porté moins, je dis bon, Ouais. il porté moins. Et on va te résister, on va pleurer contre Tibolon dans les Ouais. scènes en direct, quoi, en fait, parce À que son belle expérience. oui, ça c'était un bel, véritablement un bel moment, quoi. Et bon, t'as ni d'autres moments, mais là c'était vraiment un moment qui était fort. Ça. Mais maintenant, Jean-Luc, parlez-nous de collaboration Taxi Créole et Kwak qui pourra le battre nous, Kwak Sikolor. Qui est-ce qu'on vient avec l'idée ça? Alors, Quaxicolo, c'est moi qui monte Quaxicolo. On monte Ah, ok. Quaxicolo. Parce que, en fait, on était monté. Alors, on était monté un peu auparavant. Les voix de Quack. Enfin, on concept pour les voix de Quack. Alors, c'est trois chanteurs Quack là, Léa, Galvin, Suzy Tribo avec moi-même. Et puis, alors, c'était qu'à tourner. Taxi Creole, pas qu'à jouer non plus. Et puis, un moment. Et puis, bon, on était qu'à jouer un petit peu des fois, bon, c'est les camarades qui venaient jouer. Et à l'époque, moi, j'étais au conseil d'administration du CERMAC. Le CERMAC, c'est le Service Martiniquais d'Action Culturelle, qui ont des plus gros. Alors, côté au Carapon jouer musique, faire la peinture, c'est en ville, ça c'est Fort-de-France. Et c'est le CERMAC qui fait le festival de la ville de Fort-de-France. Okay? Et puis, alors. 45e ou 50e festival. Ça fait 5, 45 ou 50 ans, le festival a existé. Et donc, monté au conseil d'administration. Et directrice festival a dit, moi, bon, Jean-Luc, est-ce que au Pani, un groupe fait passer, un groupe était moitié. Alors, mon monté, on concept, je relais à l'époque, musique à la belle étoile. Et à deux concepts là, on prend ces musiciens qui n'y a pas de psychologue aujourd'hui, c'était Yo qui était là. Et puis on dit, bon, les copains de taxi, viennent jouer, et puis nous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'à un moment, moi, c'est mon appareil, ni quoi, ni taxi. Donc, il faut rassembler taxi, quoi qu'elle soit en même scène, musique à la belle école. Et ça fait que, bah, il a été tellement, tellement succès que nous fait. Fort-de-France était rempli. C'était même un jeu spectacle. C'était un spectacle en plein air, donc gratuit, mais plein monde. Et après ce spectacle-là, c'est peut-être quasiment bon. Et il faut pas lâcher ça, continuer, machin, continuer. Ça. Et bien, effectivement, ça m'a moins l'idée de continuer. Bon, proposer les camarades, est-ce que vous êtes bien, continuer, machin. Il dit, mais oui, c'est bon, nous qu'à continuer, nous qu'à. Oui, c'est bon, nous pouvons faire expérience, là. Et bon, alors, on m'a dit. Faut nous trouver un nom à ça, quoi. Et, nous cherchions toutes sortes de noms, et c'est Daniel René Courail qui trouvait Quaxi.
Il dit Kwaksi, on n'appelle pas ça Kwaksi. Nous dit une entreprise, ça taxe quoi, machin. On n'appelle pas ça Kwaksi. Et puis, on dit, ah, ça belle ça, Kwaksi. Et puis, nous dit, bon, nous avons viré pour le groupe là, nous faisons des répétitions. Et nous virons pour la période de carnaval. Nous virons commencer à jouer à la période de carnaval. Et à l'époque, Ronald Louis Milan était fait en période de carnaval, Taxi Color. Ouais, ça. C'était la musique carnaval, ouais. Nous dit, bon, ben, nous croyons que ça, Kwaksi Color, parce que nous, au carnaval, quoi. Comme nous, au carnaval, nous croyons que ça, Kwaksi Color. Effectivement, Kwaksi Color fait bon succès pendant le carnaval. À l'époque, nous étions qu'à jouer pendant tous ces jours, gars, pendant le carnaval, sauf le mercredi décembre. Et chaque soir, nous était fait, ça était rempli et compagnie. Et puis finalement, nous décidons, nous croyons garder Kwaksi Color, parce que ça, ça sonnait bien, en fait. Parce que ça sonnait toutes les couleurs de la musique, toutes les couleurs des Antilles, enfin bon. Donc, nous disons, nous croyons garder Kwaksi Color. Et puis, on commence à gérer le groupe là, comme ça. Et puis finalement, bon, on a eu quand même pas mal de bagailles à faire. Et puis, on joue, c'est fini à moi, moi, est-ce que je te peux gérer aussi? Donc, bon, mon patron a un inconvénient, quoi. Et puis, ça qui fait que petit à petit, je commence à gérer, que je dis, joue, c'est mieux qu'à gérer, quoi. Mais c'est pas ça va poser moins de problèmes particuliers, ni Ouais. du tout d'ailleurs. Maintenant, l'essentiel, c'est que groupe là, quand même à un certain niveau, quoi, en fait. Et c'est ça qui comptait, hein, Ouais, c'est ça. que musique là allait loin, et musique là qui allait loin. C'est ça. Mais sauf force, c'est une belle combinaison parce que moi, garder deux, trois prestations, non? Groupe là, vraiment, je veux bien. Et Merci. je crois que non. Et nous accompagner l'autre artiste, toi, c'est bien tout. Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Tout à fait, parce qu'en Dernièrement, fait, nous avons l'habitude de faire ce genre d'état, d'accompagner Moon, machin, ou ces musiciens qui dans Kwaksi Color, c'est des musiciens qui apprennent vite, qui apprennent vite, qui c'est apprennent ça. très rapidement. Donc, l'enfant nous fait en répétition, et puis chaque monde, presque tout le monde en lecteur, quoi, tu vois. Ouais. Bon, mis à part lecteur et compagnie, mais parce que tout le monde en lecteur, donc depuis on notait, bon, ça qu'a fait là, ça qu'a fait là, ça va très vite. Après, c'est feeling long qu'a passé. Et puis, Ouais. bon, musique là, musique là, son quoi, il pousse, mais moi, qu'a quoi que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de personne qui, alors qu'il pleine quoi, il y a accompagnement, quoi, psychologue, là, côté bouillot. C'est ça. Et Jean-Philippe Martelly avec vous-même. Qu'a dit, c'est deux chanteurs antillais qui vraiment chantent et comparent bien et dans le sens comme si vous connaissez nous chanter de qualité bagarre, mais qu'on pas direct là vraiment vrai nous, ou même avec Jean-Philippe mon cher et nous gain ça ensemble non, comme si en termes de swing là nous gain Et swing tout là à fait, tout à fait. et Alors, c'est vrai que je dis nous ça beaucoup, en fait, que nous ouais. avons effectivement chanté. Mais alors Jean-Philippe, c'est normal parce que Jean-Philippe commençait, et puis alors commençait vraiment grand, et puis Simon Jurade. Ouais, Et Simon c'était Jurade, là sur mon journal. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Et c'était. Simon Jurade fait alors pas mal compas, parce que il était, puis aussi il fait plus d'expérience, et puis les frères des gens, il fait expérience, et puis Dixie Ben, tout, monsieur Lefort d'autres exprime ça, musiciens Dixie compas. Ben. Ouais, Ouais. donc si tu veux, bon, il t'a connu, j'ai envie de te raconter manière pour te swinguer là, quoi, tu vois. Alors, moi, je tiens mes compas en pile, comme on dit tout à l'heure, je tiens mes compas en pile. Donc, si, mon sens lié, et puis en plus, comme moi, tu es rythmicien, puisque moi, tu as joué batterie, donc Ouais. rythmicien, machin, donc ce qui fait que moi, swing pas. Manière swing particulier, ça, tout le monde a dit moi ça, manière swing particulier. Même les manchants des zouk, quoi, en fait, c'est ça qui, à mon sens, qui a fait que, bon, musique là, marché, quand il y a marché. Mais Jean-Luc, en tant que musicien, chanteur, tout, batteur, tout,
qui ça d'abord même qui différencie Zouk là de compas? Alors là, alors, on a l'habitude de dire que compas sans philosophie. Ouais. Compas sans philosophie. Zouk sans musique nous jouer, et puis chez nous, et puis il n'y a pas d'ingrédients, mais compas sans philosophie. Alors, comment qu'a coûté compas? Alors, je ne vais pas attirer les personnes, hein, mais génération. Aujourd'hui, ce n'est pas la même génération qui est. Et alors, ça, c'est deux compas différents, hein, deux compas vraiment différents à l'opposé. Chaque année, sans sûr, mais l'un coûtait des groupes qu'on Astros à l'époque, des groupes qu'on ambassadeurs, on dit, des groupes qu'on Magnum à l'époque. Quand bien on coûte que ni. Il y a même qu'à passer dans la musique là. Il y a qu'à passer dans la musique là que nous ne pouvons pas vraiment définir. Que nous ne pouvons pas vraiment définir parce que c'est. Il prend nos tripes, quoi, tu vois. Il prend nos tripes, il prend nos pieds, il prend nos têtes. Et C'est puis, ça. il chaillot aller, quoi. Donc, c'est pour ça, qu'on a dit qu'on passe en philosophie, quoi. Après, Zouk là, c'est. Sans l'autre manière de faire, sans l'autre manière de composer, sans l'autre manière de dire ça non pour dire, quoi. Et ça cabaye des. On ne sait pas exactement comment expliquer ça, mais ça cabaye des compositions différentes, des moyens différents de la musique là, des moyens différents de dire peut-être en même bagaille, quoi, tu vois. Non, compas, il racontait beaucoup histoire à Haïti, il racontait beaucoup souffrance petite Haïti, tu vois. Et c'est pas forcément même bagaille là dans Zouk, quoi, tu vois. C'est pour ça comme c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on a dit qu'on passe en philosophie. C'est ça, nous comprenons. Et Jean-Luc, On pas seulement. va s'en d'accord, et puis ça me Non, et on va parler cœur, on va parler ça qu'on pensait. C'est-à-dire que c'est sûr que chaque monde, j'en dis, il y a une façon de voir les choses et chaque tout à monde a fait. une philosophie. Comprenez? Tout à fait. Non, mais Chaque. en fait, ça que fait me penser à ça, c'est que. Là, nous jouer, même fait comparaison avec ça. Après, mon vient de travailler. Et puis, à Saint-Apollon, Skachan, Number One Plus Alliance. Et nous avons parlé de compas. Et on a dit, bon, ouais, non, mais moi, j'ai joué compas, moi, j'ai fait compas, nous a fait comparaison, machin. Et là, il y a des témoins, il dit, comparaison, il y a un flavor compas, il y a un. Vous comprenez, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, quand il explique, moi, c'est lui qui explique, moi. Alors, introduction, développement, conclusion. Enfin, c'est ça qui nie, donc on parle. Enfin, après, qu'on dit, chaque monde a une manière, mais car ouais, là, mais effectivement, le regarder m'a pas. M'ont commencé à chanter compas en l'autre manière à partir de là. Et voilà. Dans quelle musique vous chantez et presque toute composition, il y a vraiment, il y a un swing, il y a un. Et à dire que vous sentez swing, zouk là, vous sentez et nomme qu'on pas direct là-dedans. C'est Tout à genre fait. swing, c'est genre chanté, vous voyez. Tout à fait. Et Jean-Luc, pas seulement un chanteur, mais aussi un entrepreneur, Oui, animateur, ou la radio, balisier, comme l'ambiance. Ou bien en production, tout qui est les plus fausses productions. Alors, l'espace pas existe encore aujourd'hui, juste c'est Caribbean Waves Ah, parce que qui. d'après elle, il faut parler nous de production, ça. Donc, il faut Oui. parler nous de production, quoi, qu'on y a.
Oui, alors, c'est caribéen, oui, parce que nous sommes un petit fausse, parce que nous venons trapper inconvénient, et puis nous montons caribéen, oui, alors caribéen, oui, monté en 2013, plus fausse, c'était bien quand même un certain nombre d'années, puisque plus fausse, c'est là depuis 97, dans 97, pour monter Société d'État, nous fermer en 2013, et nous monter 2013, nous monter caribéen, oui. Et puis laquelle nous fait une de bagaille, quoi. Hein, déjà, entre 2013 et 2021, enfin, bon, 2019, puisque 2020-2021, nous pas fait grand-chose, nous pas fait rien d'ailleurs. Mais son société, et puis laquelle nous a fait événementiel, nous a fait PAO, parce qu'en fait, PAO, tout ça qui PAO, tout ça qui publicité audiovisuelle, donc enregistrer publicité, voix, film. Clip, moi, quand même une quinzaine de clips comme moi, monté moins, qui a tourné en télé sous la Martinique. Parce qu'en fait, il faut que ça, c'est que moi, j'ai un diplôme de monteur truquiste, en fait, comme on passait en France. Ni en vingtaine d'années, dit ça, quand même. Et puis que, bon, là, on a fait différentes formations à sous différents bails, tu vois, donc, ce qui fait que. Moi, pas qu'à jamais engagé comme moi à son bail, comment pas connaître. Alors, mon monde de société, parce que c'est ça, m'en fait comme l'étude comptabilité. En plus, ça m'en fait licence anglais. Donc, voilà. Ce qui fait que, bon, c'est des bails que mon TP fait parce que moi, t'ai ni connaissance là, si tu veux. Voilà. Or, jusque-là, nous fait des belles bagailles. Hein. Nous fait des belles bagailles. Le dernier, le plus marquant en date, j'ai fait en 2015, mon quoi. En 2016, mon pas pu songer. Magnum Quaxicolor. Sur le même plateau, Martinique. Ouais. Voilà. Et ça t'est. Alors, nous t'es quand même. Nous t'es quand même mené plus de 4000 moules d'un côté où il est l'Oasis, quoi, tu vois. Ah oui, c'est belle soirée. Le lendemain, nous partons Guadeloupe et puis Magnum. Nous faisons ça dans Hall des Sports. Guadeloupe et puis notre production. Et puis bon, nous avons fait des bails que nous avons essayé tchimbé, quoi, en fait. Bon, mais ça n'est pas évident parce que le monde aujourd'hui joue qu'à organiser. On ne sait pas qui les organisateurs marrons, quoi. Et ou pas ou qui a mettez quoi en regardant tout bail ou qui a prend difficulté parce que d'autres pas qu'à faire le travail là quand il faut quoi, tu vois c'est ça le problème. C'est ça. Et Jean-Luc, avant de finir, et où chantez Belle Créative avec Kassab au Stade de France? Comment t'es vive expérience ça? Oh, son expérience qui était compliquée, ouais. Compliquée pour la simple et bonne raison que moi, t'es fini pète, madame, moi, 6 mois avant ça, quoi. Tu vois, la mère de mes enfants. Y aller 6 mois ou 8 mois avant ça. Ça, c'est une expérience qui était assez compliquée émotionnellement, quoi, en fait. Et puis, Jean-Philippe aussi, à un moment, nous t'es gagné anti frette. Donc, il crie moi au dernier moment, enfin, au dernier moment, il crie moi parce que lui aussi, t'as envie que eh ben, t'es réglé. Donc, nous régler ça. Donc, émotionnellement, c'est une expérience que. Comment vivre de manière très, 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 très compliquée. Mais c'est une expérience à vivre, quoi. Quelle que soit la manière de vivre, c'est une expérience à vivre, quoi. Parce que, ouais, 95 000 mouns, 95 000 mouns devant, on va crier, carréler, machin, à chanter en même temps. C'est expérience à vivre, quoi. C'est expérience que pas qu'il y ait
Le groupe antillais qui était vivre ça, d'après moi. Ouais. Et c'était ni un groupe et puis lequel fallait vivre ça, c'était bien Picassav, quoi. Alors, avant mon temps, les concerts là démarrer, ferveur, tout ça. Et ça fait moi songer que, bon, voilà. Yeah, Et c'est... moi, t'es qu'à plaire, avant mon temps, les scènes. Alors, moi, il est calmé comme moi, parce que moi, t'es bien loin dans le programme là. Mais sortir les scènes dans le même bagage. Ouais. On m'a dit que parce qu'en fait, si tu veux, c'était un charge émotionnel trop fort, quoi, en fait. Il y a trop bas en même temps. Et couplé à ça, mais ça a quand même bah, la force d'aller plus loin, en fait. Bah, la force de continuer, ça a quand même fortifié au météo dans conditions qui fait que, bon, voilà. Quoi, décoration et. Moi qui continue, moi qui aller. Moi qui Voilà. aller par. Alors, ne serait-ce que pour ces petits moments-là, parce que moi, quand même, ni trois petits moments, tu vois. Donc, voilà. Je ne suis pas des petits moments encore. Mais après, voilà, c'est compliqué. Mais bon, grâce à Dieu, nous réussissons. Pour C'est l'instant, ça. jusque-là. Enfin, Jean-Luc, et alors, n'a pas dit téléspectateurs, non, et des fois, excusez-nous si nous, ouais, des fois, imaginons si j'en pas fin quoi clair qu'on a avec technologie, à hein, des fois, et bah, au monte et au descend, mais quand même, nous là, nous tout le temps des tout bail. Et Exactement. Jean-Luc, c'est ton plaisir pour nous te recevoir lors de Ralph Condé Show, pas qu'on est second dernier mot, t'as aimé ajouter. Eh bien, écoute, mon travail m'a dit tout le monde que protéger Koyo, prendre soin du Koyo, okay? Et pour que tout baille, essayer de vivre à la normale. Okay? Et puis que nous, je vais commencer à faire musique quand nous te connaissons faire musique. Tu comprends? Parce que c'est ça qui moitié nous, quoi. Là, il moitié ni toutes sortes de bagailles, mais il moitié le nerf de la guerre, il moitié le plaisir, le plaisir à l'état brut, c'est-à-dire aux musiques, quoi. Pour nous joindre, pour oui, puis moi nous joindre Martinique, pour oui, puis moi nous joindre Miami, New York, pour oui, puis moi nous joindre Haïti, tu vois. C'est Et ça. c'est ça qui manquait. Donc, mon cas dit, tout le monde, on nous prend soin de nous, pour nous savirer, sembler. C'est ça. Merci Jean-Luc et restez branchés, n'a pas de pause, n'a pas tourné tout à l'heure.